Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur WWE2K16. J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va, je vous remercie. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit kiff. C'est un match que j'ai envie de faire moi, si ça vous dérange pas, en espérant que ça vous dérange pas, comme je l'ai dit juste auparavant. Un petit match de diva, parce que c'est vrai que vous proposez beaucoup, beaucoup de matchs de superstars, mais pas beaucoup de divas. Du coup, je me suis dit, tiens, on va voir qui est-ce qu'il y a comme diva. Et faire un petit match comme ça serait plutôt cool. Après, il manque pas mal de divas, hein. Ça c'est voilà, il n'y a pas eu de mise à jour à ce niveau-là. Donc, après avoir vu ces divas-là, moi je vais prendre Paige, parce que je l'aime beaucoup, c'est leur manager, non. Et on va combattre contre... On va plutôt la faire combattre contre Brie. Voilà, hop, les deux, c'est parti. Donc, si... Comment dire ? Si ce type de match vous plaît, de se battre à... avec les divas, pardon, excusez-moi, bah dites-le-moi en commentaire. Vous pouvez laisser aussi un petit like, ça fait toujours plaisir, et vous pouvez aussi proposer votre match comme d'habitude. Ça, c'est pas un problème. Hop là. Ah oui, j'ai mis un manager. Allez, c'est pas plus mal. L'IAP comme manager. Boum. À la base, je pensais avoir dit non, mais le jeu m'a dit si. Mais c'est pas grave. Au moins, ça fait plus réaliste, vu qu'elles sont souvent liées. Là, il me semble que Nikki est à l'hôpital, si je dis pas de bêtises. Quand j'ai vu le match de Brie contre... C'était Charlotte. C'était où? Je sais pas quel event, enfin quel pay-per-view. Et ça montrait que Charlotte se moquait un petit peu de sa sœur qui est à l'hôpital. Je sais pas ce qu'elle a eu. C'est pas vraiment fait gaffe. Par contre, il y a un truc qui me choque souvent. C'est les cheveux des divas. Ça fait un petit peu bizarre, je trouve. On dirait un peu Sarpierre. Mais bon, hormis ça, elles sont assez séduisantes. Personnellement, Paige, je l'aime beaucoup. Que Edge Lee n'est plus là, c'est triste. Peut-être qu'elle reviendra. Elle était vraiment assez douée, faut pas se mentir. Attention yeah. Par contre, ce qui est bien avec les divas, c'est qu'on va pouvoir faire pas mal de petites choses qu'on peut pas faire avec les superstars, qu'elles sont beaucoup plus agiles. Hop là, petite chute arrière. Relève-toi. Relève-toi, je te dis. Oh. Descends du coude jusqu'à qu'elle arrête, hein. Eh ben ouais, descends. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Merci. Aïe. Et tu pensais faire quoi, là? Là, Cody qui contre, Cody qui va... Oh, petit coup de pied dans l'estomac. Ça fait toujours mal. Bon, pour l'instant, on a fait le début de match parfait, hein. Ouais. L'adversaire ne peut strictement... Oups. Rien faire, j'allais dire. Bonjour. Vous allez bien? Ah d'accord, c'est bon, calme-toi. Je t'ai dit de te calmer. Oh là là. Allez, troisième corde. Vite. Le saut de la mort. Ok, ouais. La mort, c'est bien ce que je dis. Non, non. C'est quoi ça? Le petit coup de pied? Mais oh. Allez, voilà. Vous pouvez aussi pronostiquer le match, hein, qui va gagner à votre avis. Bon, même si là... Sans trop m'avancer, je pense que ça va être moi, mais on sait jamais, hein, vous savez toujours. Les matchs que j'ai dominés, je les ai perdus. Et les matchs que je dominais pas, je les ai gagnés. Donc il faut toujours faire gaffe. Voilà. Allez, hop. Ça fait mal. Ok, pourquoi reste comme ça? Par contre, je gaspille un peu beaucoup mon endurance. Reste par terre, s'il te plaît. Coup spécial. Qu'est-ce qu'elle va faire? Je ne le connais pas. Enfin... Ah d'accord, technique du cochon. Technique du cochon. D'accord. Hop. Personnellement, moi j'arrive jamais à faire la soumission. Franchement, oui, je le fais un petit peu bébête en plus. Mais ouais, vraiment compliqué. Allez, c'est parti, attention, 3, 2, 1. Merde. Zut. Non, s'il te plaît, fais pas ton finisher. Ton spécial. Non, ça picote le dos, laisse-moi tranquille. Eh, je te dis quoi? Je te dis quoi, ça picote le dos? Allez, monsieur l'arbitre, laissez-moi faire. Tout est sous contrôle, vous voyez? Calme-toi. Mais comment on peut faire ça sans faire mal à la... Non, par contre, au niveau des poumons, c'est plutôt cool, hein. Il me semblait que c'était Nikki, la sœur qui avait les plus gros poumons, bah là... On se rend compte que non.
Allez. J'y suis allé doucement. Comment cela se fait-il? Allez. Hop. Et boum! Magnifique! Par contre, il faut vraiment que je fasse attention, parce que, bon, là, je fais le mariole, mais il suffit qu'elle me contre un mot. What? C'est un film de cul? Lol. Warzazat. D'accord. Ah, ça, j'aime beaucoup ce coup. On va le faire souvent. Allez, relève-toi. Relève-toi, je te dis. Pourquoi c'est aussi simple? Enfin, peut-être qu'à force de faire des matchs avec les peut-être qu'à force de faire des matchs, pardon, avec les superstars, eh bien les matchs de divas sont peut-être plus simples. Pourtant, elles n'ont pas un niveau, vraiment différent, enfin, de mémoire. Qu'est-ce qu'elle va lui faire? Waouh, magnifique! Alors, finisher chargé, on attend, voilà. Ah, peut le faire ici aussi? D'accord. Oh oui, here we go! Technique du scorpion! Dédicace à tous les scorpions! Non, voilà. Ramène-la un peu plus loin. En plus. Oui, peut-être ma première soumission! Oui, première soumission réalisée sur WWE 2K16. Et j'ai gagné par soumission. Bon. C'est pas fini. C'est comme SFR, c'est pas fini. D'accord? Là, on a fini le match, mais c'est un petit peu trop rapide. Et je veux pas forcément. Enfin, quoique faire les deux de 6 minutes, ça serait cool. Mais. C'est trop rapide. Ce qu'on va faire, c'est un autre match de Diva. Tranquille, on se prend pas la tête. Peut-être un petit match aléatoire. Parce que là, c'était trop simple. Et pourtant, la difficulté est là. Donc, je ne comprends pas. Mais on va faire l'autre match. Hein. Nos prises de tête. Hop, Diva. Enfin, aléatoire, c'est mieux. Voilà. On a Natalia. Non, pas de manager. Et contre eux, Summeray. Ok, le match des blondes. Ça me dérange pas. On va se mettre au même endroit. Allez, hop. Vengeance. On espère que ça se passe bien. En tout cas, je me suis dit, mon téléphone. Calme-toi. Même mon téléphone, il dit, gna 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 gna. C'est bon, calme-toi. Allez. Mais c'est ma première victoire de soumission, hein, comme je le disais. Ça fait quand même plaisir. Bon, c'est dommage que ce soit un match comme ça. J'aurais préféré que ce soit un truc épique, genre difficulté extrême, etc. C'est-à-dire qu'on combatte, que ce soit dur. Ouais, calme-toi. Par contre, Natalia, elle a plus le physique d'un catcheur. Elle me rappelle une ancienne diva, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui était impressionnante. Tout le monde avait peur d'elle. Je me souviens plus du nom. Mais elle était vraiment impressionnante physiquement. C'était limite comme si tu tombais contre le Big Show. Oh là là, arrachage de cheveux. Bon, elle est impressionnante, mais elle est aussi très agile. Allez, c'est pas possible. Ah, voilà, je le disais bien. Battez-vous. Ah, en même temps, je place les comptes quand il faut aussi. Allez. Fais-lui du mal, s'il te plaît. Ça fait mal? Aïe. Non, c'est pas bon, ça. Enfin, c'est pas bon, oui, non. Oups. Ah. Ouh, pas mal. Tu te calmes. Tout de suite. Hop là, descente du derrière du genou. Aïe. Alors là, si je la contre, c'est fini pour elle. Oh voilà, c'est fini. Vu qu'elle a plus de contre, je vais la défoncer. Ah d'accord. Mais comment la contrer alors que... What? Comment t'as pu contrer? Peut-être que j'ai répété mes coups? Aïe, aïe, aïe. Non. T'as
Putain, le caberman a fait tomber son micro, je crois. Lol. Allez, petit spécial, t'as voulu jouer à ça. Mais toutes les divas font des prises de soumission. Ok. Mais, comment a fait son spécial, elle? Son finish. Ah, peut-être un finish à recoin. Ah, merde. D'accord, c'était au niveau des jambes. Zut. C'est pas grave. Oh, mais non. Eh. Non, laisse-moi. Tranquille. Ah, oh, je vais te défoncer. T'as osé tordre le cou. Cou. Allez. On tente. Après, le finisher. Allez. D'accord, elle, c'est de... C'est... Soumission pour... Ah, encore une fois, la prise. Et deux vidéos. Merde, ça va trop vite. Je dois voir la fatiguer encore un petit peu. Allez. Allons-y, les amis. Hop. D'accord. Très bien. Je te dis quoi déjà? Je te dis que me prendre par derrière, c'est pas... Ah d'accord, non mais c'était rigolage. Merde. Mon contre était un petit peu trop tôt. Pourtant je l'ai dominé, mais j'ai l'impression de lui avoir rien fait perdre. Parce qu'au final, ce que je lui ai fait, c'est des soumissions, et je sais pas si ça faisait du dégât ou pas. Je sais pas. Non. Ça picote, ça. Ah, d'accord. Elle a pas de respect. Aucun respect pour Bibi. Allez, on y va. Dépêche-toi. C'est la guerre. Une petite calotte comme ça, ça fait du bien. Ah, tu voulais jouer à ça, hein? T'as des longues jambes. Il faut les briser. Voilà. Alors, on récupère un petit peu, bien entendu. Oh bah, si tu veux te dire comme ça. Y'a aucun problème. Waouh. D'accord. Merde. Au bout d'un moment, on peut pas, ouais. Non mais, ouais. Oh là là. Heureusement que tout... Mais, ah d'accord. J'ai plus de pour faire mon spécial. Comme un con, j'appuyais. Comme un con, j'appuie sur triangle. Mais ça servait à rien. Non, hé, me fais pas perdre mon spécial, s'il te plaît. S'il te plaît, sois mignonne. D'accord. Aïe. Non, hé. Si on perd ce match, c'est que c'est pas possible. Tu peux me laisser me relever, s'il te plaît? Tu serais une brave petite fille. Hé, je te dis quoi? Ah, mais. Au final, elle a que ça, là. En fait, faut que je la défonce. Hé. Et tu sais quoi? Non, je rigolais. Ah non, c'est peut-être une idée. Merde. D'accord. Oh putain, c'était beau ça. Ah mais elle va faire que le tomber, hein. Merde. Elle joue sur le fait que... Elle sait que je suis un petit garçon qui peut faire des erreurs dans la vie. Ah ben vas-y, oh non. Non, s'il te plaît, barre-toi. Car t'as plus de compte, t'as plus rien maintenant. Quoique cette prise-là prend du temps, donc c'est cool. Là, j'ai mal géré. Faire contrer deux fois à la suite, non. Non, on peut rien faire. Oh non, eh. Voilà, hop. Non mais... Merde. Allez là. Le match, on l'avait dans le creux de la main, et là, genre, ça va plus. Allez, c'est bon là, on rigole plus là, c'est fini. C'est fini. Voilà, faut vraiment...
je ne sais pas si les divas ont un... Le oh my god. C'est une question que je me pose. Elle là par terre normalement. Attendez. Non. C'est debout, le spécial. On va tenter. Donc ça va passer. Oh punaise. Moi aussi je vais le faire ça. Hop là. Le code c'est quand même très impressionnant. Ah, j'ai pas attendu assez. Non. Je préfère faire une prise. Voilà. Là j'attends un petit peu. Après je vais lui faire le spécial. Normalement c'est bon. On a ce qu'il faut. Boum. Et là on a un finisher x2 mais je pense pas être capable d'arriver jusqu'au troisième. Donc on va en profiter pour faire la soumission. Peut-être qu'on va pouvoir la soumettre deux soumissions à la suite. Ça serait cool. Saloperie. Aïe, aïe, c'est pas bon ça, c'est pas bon. Ah, finisher, il faut que je contre, sinon on est dans la mouise. Ah, un peu trop tôt, j'avoue. Aïe, aïe, c'est pas bon ça, non. Oui, j'ai fait ma révolte. Je sais pas, je le sentais mal, j'ai niqué un finisher, mais c'est pas grave. Calme-toi. Hop là. Parfait. Allez, là on fait le tombeau parce que je suis plus trop rassuré là. Là je suis plus trop rassuré. Deux. C'est bon. Bon, on a gagné comme ça, un peu à la façon lâche, mais bon, victoire c'est une victoire. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Deux petits matchs, enfin un match qui était petit et un qui était un peu plus long quand même, bah, vous aura plu. C'est étrange, je l'ai dit là, je pensais que c'était beaucoup plus simple que les matchs de Superstar, d'homme. En tout cas, comme je dis, j'espère que ça vous a vraiment plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit like. N'oubliez pas de proposer vos matchs en commentaire. Et puis sinon, bah moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut! Let's see what happened during that incredible matchup. I can't believe what we saw in that match. Here's your winner, Natalya. A big singles victory here tonight. Man, when you get a one-on-one match like that, you hate to see one of them come up short. But that's just the harsh reality of it. And it looks to me like our winner is already thinking about the next match. Always one step ahead.